m'appelle Lola. J'ai 8 ans. Et demi. Si je vous parle de ma rencontre avec Thelonious, vous n'allez pas me croire. Mais j'ai quand même envie de vous la raconter. Je suis le chien virus, le chien abandonné. Personne ne veut plus qu'il dort sur les pavés. Je m'arrête sur le boulevard, au milieu de nulle part. Je regarde tout, je voudrais un peu d'amour. Ah, ah, gangster. Ah, ah, ouah, 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 ouah. Je m'appelle Lola. Thelonious, enchanté. J'ai pas voulu chouiller, je vous donne la patte. Avec plaisir. Vous parlez quelle langue ? Nous parlons chien. Nous utilisons la grammaire du poil. La grammaire du poil ? Et celle des narines. La conjugaison est un peu difficile. On confond parfois le frisson d'une moustache avec la crampe de l'oreille. Des gens affirmaient que la misère, la pauvreté, tous les malheurs du monde venaient des chiens. Ils disaient que les chiens étaient sales, que c'était à cause d'eux que les hommes tombaient malades, qu'il fallait s'en débarrasser. Les chanteurs qui sont connus dans le monde entier prennent pas un bus de nuit pour aller à Londres. Ils prennent l'avion ou le TGV. Les producteurs ne s'intéressent pas aux chiens, ni à leurs textes, ils signent pas de contrat avec un chien. Thelonious m'avait menti. Depuis quelques semaines, les hommes se sont organisés. Ils ont fait passer des lois pour pouvoir chasser les chiens sans collier. Je vais traverser la mer et je vais aller en Angleterre. J'y serai davantage à l'abri. Nous avons été à la gare et nous nous sommes cachés dans un train de marchandises. Tu vas être en retard, Thelonious. Regarde dans mes yeux. Tu me fais peur. Regarde dans mes yeux. Qu'est-ce que c'est ? Thelonious, j'ai vu. Tu parles chien. Pardon ? Tu parles chien, Lola.